Richard. Qu'est-ce que tu as là? Des bouteilles vides? Je forme de nouveaux partisans. Nos camarades n'ont pas besoin d'aide pour picoler. C'est pour en faire des Molotov. Est-ce bien prudent de donner des explosifs à des civils? Papa, tu t'en fais beaucoup trop. T'as mauvaise mine, toi. Ah, Sorette, tu me vexes. Non, ça, tu le fais très bien tout seul. Cochon. Morue. Blaireau. Bécasse. Asseyez-vous. Je vais être en retard. Assez! Là, voilà. N'est-ce pas agréable? Un bon petit déjeuner en famille. Des bombes et des balles. Quoi de mieux pour commencer la journée? Tu sais, tu vas finir par te faire tuer à garder ce vieux fusil dans la maison, papa. Y a pas de quoi s'inquiéter. Alors? Il paraît que les Allemands approchent du front. C'est là-bas que tu te rends? Non. Ils m'ont dit que c'était pas la meilleure place pour moi. Alors, j'entraîne les nouvelles recrues à l'ancien bureau de poste. Ça a l'air sympa. Ça aurait été sympa si j'avais eu mon mot à dire. Au moins toi, tu peux te battre. Et arrête avec ça, bon sang! Ça suffit! Vous avez tous les deux un rôle à jouer. En parlant de ça, si ces enfoirés arrivent à passer la ligne, vous pouvez me les envoyer. Bien sûr, papa. Mais ils passeront pas la ligne. Jamais. Merde! Je suis en retard, ils m'attendent! Micha! Ta caisse! Je vous jure, il serait capable d'oublier sa tête si on n'était pas là. Il serait perdu sans nous. Je me le demande. Bon, je passerai aller lui apporter en allant au poste médical. Tu aides ton pays bien plus que tu le crois. Et tu fais la fierté de ton vieux père. Merci, papa. Micha et moi étions si jeunes sur cette photo. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ça fait un moment que j'y ai pas touché. Tu avais un vrai nom. Ça me manque de t'entendre jouer. Bon, à plus tard. Ходите куда? Оставаться тоже нельзя. Он уже успел захватить пол России. Нет, 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 ты несешь какую-то околесицу. Никто не собирается захватывать Россию. Ты сама не понимаешь, что говоришь. Францию взяли, он идет на Москву. Здесь не Франция. Кто знает, на что еще подать? Сказали быть наготове. Похоже, никто ничего не знает. Каждый день новая информация. Est-ce que tu penses que les Allemands entreront dans la ville? Pas si tu viens de battre. Les nouveaux partisans que je forme les écraseront avant même qu'ils approchent. J'en suis convaincu. Bonne chance à toi. Paulina, tu veilles à ce que ton frère fasse pas n'importe quoi. C'est difficile. Ça sent bon par ici. Oh, Paulina, j'ai gardé une miche de pain pour ta famille. Merci. Il n'y a pas de quoi. Ton père a insisté pour que je lui réserve du Borodinsky. T'as rien oublié? Tu me sauves la vie. Je sais. J'arrive tout de suite. Je devrais venir avec toi. Tu devrais, en effet. J'ai bien plus de pratique que ces crétins de l'armée rouge. Parle pas si fort! Je te déconseille de te mettre ces gars à dos. Bon. Et ne fais rien que je ne ferai pas. J'en serais bien incapable. Je suis nul au tir, comparé à toi. C'est dommage qu'on puisse pas échanger nos places. Cet uniforme m'irait vachement bien. Essaie quand même de revenir vivant de cette mission. En un ou plusieurs morceaux, peu importe. Je suis devenu plutôt doué pour rafistoler les gens. Oui, madame. Et maintenant, je suis en retard. Je vais encore devoir passer par les toits. Tu sais que tu vas finir par te tuer, à force de grimper là-haut. Je te promets que tu pourras dire « je te l'avais dit » si ça arrive. Allez, file ! J'y vais, j'y vais. Ah !
Bonjour, Paulina. Comment va la jambe de ton père? Mieux, enfin. C'est gentil de demander. T'as entendu la nouvelle? Vous en faites pas. L'armée rouge a la situation en main. Bon, fais attention à toi! Le médecin en chef vous attribuera vos fonctions. Elle se trouve de l'autre côté du camion. Medsestra Petrova, vous êtes demandée à la première tente. De nombreux hommes ont besoin de vous. Allez rejoindre les autres. Oh non! Plus que tu le crois. Et tu fais la fierté de ton vieux père. Père ? Rentre chez toi, mec jeune. Rentre chez toi! Allez, ne nous oblige pas.
Hier gibt's rein gar nichts. Was hast du gefunden? Wir werden mir nichts Gutes finden. Reine Zeitverschwendung. Quitter Stalingrad. Tout de suite. Obersteiner, wir haben da oben Verbrechergesindel gefunden. Alles voller Waffen. Fouillez le moindre recoin. Débusquez la vermine russe et regroupez-les. Enfoiré nazi. Je vais tous vous buter. Papa?
Zevich! Steiner est en route pour interroger les Russes en personne. J'aimerais autant tous les exécuter. Oh.
Thank you.
crois qu'ils sont tous morts. Tu peux nous libérer maintenant? Serette, t'as été incroyable. On y va. Tout de suite. Putain, j'ai eu tellement peur que tu sois... Moi? C'est toi qui es attaché. Occupe-toi des autres. Polia? Papa? Il nous a quittés. Oh. Oh non. Misha? Non. Misha? Non. On n'a pas le temps pour ça. Il faut qu'on fasse sortir tes recrues. Si on reste là plus longtemps, on est foutus. T'as raison. Ok, allons-y. Misha, on doit essayer de rejoindre la Volga. Comment est-ce qu'on sort de ce bâtiment? Misha, réfléchis. Comment on fait pour rejoindre la rivière? Il y a une sortie, là. On pourrait peut-être tenter de passer par les égouts. Mais les Allemands bloquent la cour. Ça va pas être facile. T'as du matériel que je puisse utiliser? Des armes ou autre? Il y avait des soldats en patrouille sur le toit. Ils avaient une radio, mais peut-être que tu y trouveras du matos. Allez, je vais vous couvrir depuis là-haut, pendant que tu conduis nos camarades vers les égouts. Si t'es sûr de toi, Sorette, peut-être que tu peux rejoindre le toit en grimpant par là. Ça devrait te mener au toit. Viens, je vais t'aider. Je vais m'occuper de te couvrir. Je sais. T'as toujours été meilleur que moi au tir. Père est avec moi maintenant. Et je sais qu'il ne voudrait pas qu'on se fasse tuer par ces connards dans ce bureau de poste. Il serait fier de toi. De nous, tu veux dire. Amène nos camarades jusqu'aux égouts. Moi, je vous couvre depuis le toit. Vise bien, ok? Je rate jamais. Bon, les gars, une fois dans la rue. On reste caché jusqu'à ce que Paulina soit en position, ok? Paulina! Paulina, tu m'entends? Tu devrais avoir une radio! Merde, je te reçois pas! J'espère que tu m'écoutes pour une fois! On est coincé dans le cratère, près du tramway! Quoi que faut! Paulina! À ton signal, on courra vers les égouts. Dernier ressort. Acceptez votre défaite. On courra vers les égouts. Et commencera. À présent, en avant. Paulina fait distraction. Vous mourrez. Lâchez votre arme. Et rendez-vous. Aucun de vous ne quittera cette place en vie. Ouvrir les égouts!
Paulina, l'hôtel! On est coincé! Ils sont au-dessus du hall de l'hôtel! Paulina! Je crois qu'ils essaient d'atteindre par le flanc! Tu pourrais t'en servir. Survivre à Stalingrad n'est pas un mince exploit. S'en échapper en est un autre. Mais personne n'échappe vraiment à ça. La machine de guerre nazie nous avait tous atteints, détruits en quelque sorte. Je crois que c'est ce qui chez nous a plus haut sauvé. Mais pour Paulina, la blessure était plus profonde. Elle était déterminée à se venger. Et c'est ce qui faisait d'elle l'élément le plus redoutable de mon équipe. Que voilà une émouvante histoire. Tu n'as même pas pu sauver la vie de ton père. Alors dis-moi, que fait une rouge avec un vieux fusil dans une opération secrète des Alliés? Tu ne me fais pas peur, petit rat. Oh, je crois que tu te méprends, Fräulein. Je n'ai pas besoin de te faire peur. Oui, je veux seulement te faire crier. Ça poussera tes amis à parler. Pourquoi ? Parce que je suis une femme ? T'es pas très douée pour ça, je me trompe. Dis-moi, quelles autres missions mènent les Alliés en Allemagne ? Franchement, rien d'intéressant. Bon. Et qu'est-ce qui est intéressant, Fräulein? Freisinger. Allez le chercher. On confirmera notre histoire ensemble. Amenez-la. Envoyez-moi tous les fichiers sur le commandant Steiner. Et toutes les photos du sniper russe. Lady Nightingale, oui, celle-là même. Et... Herr Freisinger, je voulais vous voir. Nous avons la confirmation de la femme. Le sixième allié est mort. Vous êtes sûr? Un Américain, arrêté à Tempelhof, en train de voler un avion. Ça n'a aucun sens. Les prisonniers se sont moqués de vous, Richter. Et maintenant, c'est moi qui passe pour un idiot! On va amener l'Américain ici, maintenant. Et s'il faut que je l'interroge en personne, c'est que je n'ai plus besoin de vous.
pas. T'es aveugle. Je voulais juste être sympa. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je l'ai conseillé en torture. Détends-toi. J'ai menti comme tu l'as fait. Et il t'a cru? Il a arrêté de m'interroger quand j'ai parlé de Freisinger. Quand on sortira d'ici, la première chose que je ferai, c'est aller au cinéma. Voir les Trois Mousquetaires. Et me laisser séduire une nouvelle fois par Edith Mera. Moi, et toi, Lucas, quelle est la première chose que tu feras? Moi, quand je serai chez moi, je me goinfrerai de Lamington. Du gâteau non-stop. Je sais ce qui te manque. Ouais. J'irai au bar du coin et je demanderai à la belle Barbara de me servir des pintes de bière jusqu'à ce que j'oublie avoir participé à cette guerre infernale. Mais je sais même pas si elle est encore en vie. Tous mes proches sont morts. Et la seule chose qui me fait me sentir vivante, c'est de voir un Allemand me supplier. Donc, je suis exactement à ma place. Wade est arrivé comme je l'espérais. Il a bien joué son rôle sans même connaître mon plan. L'équipe ne comptait pas sur lui. Mais je savais qu'il allait être aussi charmant qu'à l'accoutumée. Fais ça une fois, connard. Et toi et moi, on va avoir un sérieux problème. Votre équipe a menti à votre sujet, lieutenant. Lieutenant? Ah, c'était si difficile. Enfin, un peu de respect. Vous êtes le sixième homme. Alors pourquoi vouliez-vous cet avion? Vous, les nazis, vous me donnez presque envie de retourner dans le Pacifique. Je veux savoir ce